Au monde, le Covid-19 a engendré plus de 200 000 décès et plus d'un million de guéris. Mais comment notre corps se défend-il? Le corps est doté d'un vrai arsenal, le système immunitaire, ses soldats, les globules blancs. Alors en premier rang, on trouve ce qu'on appelle les barrières naturelles, qui se divisent en deux types. D'un côté, les protections chimiques, de l'autre, les protections mécaniques. Commençons d'abord par les protections chimiques. Alors, on trouve les larmes, la muqueuse nasale, ces substances se trouvent dans notre nez. Encore la salive, assure dont son pH atteint 3,5. Et enfin, les sucs gastriques, son pH arrive à 1. Alors, de l'autre, on trouve les protections, comme j'ai dit, les protections mécaniques. Ce sont les cils de la trachée, la peau ou la muqueuse. Encore, la muqueuse, c'est une substance qui se trouve dans notre estomac. Parfois, cet agresseur est plus fort et plus fort. Il échappe aux mailles du filet. Lorsque la barrière de la peau est franchie, plusieurs bactéries et virus s'infiltrent. Mais cependant, des cellules du système immunitaire, les cellules sentinelles circulant dans le sang ou dans la lymphe, ce sont des vrais gendarmes, ces cellules. Ils veillent toujours à aucun envahisseur n'entre. Des cellules nommées les mastocytes sécrètent une solution, ce qui provoque le gonflement et l'imperméabilité des vaisseaux sanguins. Des cellules nommées les macrophages entrent en action. Leur pouvoir leur permet de neutraliser l'agresseur. Première étape, on trouve l'adhésion. Deuxième, la digestion. Troisième, le macrophage digère, comment dire, mange la cellule. La troisième, la digestion. Et la plupart des résidus sont rejetés, ce qu'on appelle l'expulsion. À la fin, la phagocytose. Parmi les cellules, on trouve des cellules présentatrices de l'antigène. Ce sont une sorte de cellules qui présentent l'agresseur aux autres cellules immunitaires. Cette cellule garde toujours un fragment de l'antigène comme, disons, un souvenir de la bataille. Ce phénomène que j'ai expliqué s'appelle la réponse inflammatoire et il est le premier rang de notre défense. Mais malheureusement, il y a des agresseurs plus costauds, plus forts, parviennent à survivre de cette bataille. Mais la guerre n'est pas finie. Dans la deuxième ligne de défense, on trouve l'immunité adaptative. Malheureusement, elle est plus lente à se mettre en place. Et parfois, des virus dangereux comme le Covid-19 et encore des virus cancéreux prennent le dessus. Dans cette deuxième ligne de défense, il y a les lymphocytes, des cellules immunitaires. Le problème, comme j'ai dit, ils sont lents. Ces lymphocytes doivent être éduqués pour éliminer cet agresseur. Ce que vient le rôle des cellules présentatrices, les CP1. Le rôle est d'enseigner, d'éduquer ces lymphocytes B. Il éduque l'art du combat contre ses agresseurs. Mais pour cela, le CPA doit entrer en contact avec un lymphocyte B non éduqué dans l'université, les ganglions lymphatiques, si j'ose dire. À la fin, les lymphocytes B auront la doctorat spécialisée pour attaquer tel ou tel envahisseur. On dit dans le jargon que le lymphocyte B est devenu immunocompétent. Ensuite, le lymphocyte B
émet l'alerte générale. Puis, des cellules immunitaires, les lymphocytes T, entrent en guerre. Ils vont se fixer sur la cellule infectée et reconnaître l'antigène qui se trouve à sa surface. Et puis, ils vont libérer des cytotoxines, ce qui va provoquer des lésions de la membrane et la cellule est détruite et l'envahisseur mourra. Mais cependant, ça marche pas toujours plus facilement. Comme la tuberculose ou d'autres maladies cancéreuses et encore ou encore dangereux, ces agresseurs parfois gagnent la bataille. Cependant, n'oubliez pas toujours de respecter les gestes barrières. Ce sont des gestes très simples. Laver les mains, ne pas toucher. Si on n'a pas lavé les mains, notre nez, notre bouche ou nos yeux, tous contre le COVID-19 et à bientôt pour la semaine prochaine. Au revoir. Confirmé, testé positivement au COVID-19 au monde et plus d'un million de cas de guérison au monde et ce virus a engendré plus de 400 000 décès. Alors après la déclaration de cas d'urgence sanitaire, nous sommes confinés depuis le 20 mars 2020. Ceci à cause d'un nouveau virus baptisé le SARS-CoV-2. Ce virus est un descendant d'une famille de virus, les coronavirus. Je vais vous donner maintenant des exemples de virus appartenant à cette famille. On trouve le MERS-CoV, coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, et le SARS-CoV-2, coronavirus responsable du syndrome respiratoire sévère aigu. Et le SARS-CoV-2, nouveau coronavirus 2 du syndrome respiratoire sévère aigu. Une chose aussi microscopique peut faire autant de dégâts. Alors seul, un virus ne peut rien faire. Pourquoi? Car il n'a que le matériel génétique, donc pas de machine. Alors, il doit impérativement parasiter une cellule pour faire du dégât. Alors, le SARS-CoV-2, comme tous les virus provoquant des maladies respiratoires, a autour de sa surface des protéines. Il y a les protéines E, M et S. C'est la protéine E qui nous intéresse dans cette histoire. Les protéines, ce sont des clés qui permettent au virus d'entrer et de s'infiltrer dans les cellules, c'est des poumons. Alors en entrant, le virus lâche son matériel génétique, autrement dit, le plan de travail qui servira à la cellule pour produire des virus. Concrètement, la cellule devient une sorte de machine qui produit des virus. Alors, le corps ne reste pas à rien faire, il se défend. D'où l'origine des symptômes. Dans l'origine des symptômes, comme maux de tête, frissons, sueur, des gènes respiratoires et même des courbatures. Malheureusement, ceci provoque la mort des cellules. Pour les personnes à risque, comme ceux qui ont des problèmes respiratoires ou cardiovasculaires et même les fumeurs, ce virus peut être mortel pour eux. Alors comment ce virus se transmet-il? Au contraire de ce qu'on pensait, le SARS-CoV-2 ne voyage pas dans l'air, mais dans des gouttelettes émises par des éternuements ou la toux. Puis, elle part contaminer une autre personne où elle se transmet via une simple poignée de main après que la personne ait touché son visage.
Alors, comment comment lutter contre le COVID-19? Actuellement, on ne possède pas un vaccin ou un traitement dédié à ce virus. En ce moment, les médecins donnent à leurs malades des antiviraux, donc des traitements non dédiés à cette maladie. En plus, ce virus mute. Ça veut dire que son patrimoine génétique, son plan de travail change, donc il devient de plus en plus dangereux. Alors maintenant, il faut respecter les gestes simples, encore appelés les gestes barrières. Exemple, se laver régulièrement avec une solution hydroalcoolique ou du savon. Toussez, éternuez dans votre cou. Ici, vous sortez, évitez les contacts directs, donc les embrassades, et même porter un masque. Alors, cependant, la solution la plus radicale pour lutter contre le virus, c'est le confinement. Donc, restez chez vous pour sauver votre vie et celle de votre famille. Venons de passer le printemps. C'est dans cette saison où fleurissent les fleurs et les arbres libèrent leur pollen. C'est la plus belle saison. On l'adore tous. Malheureusement, pas tout le monde partage le même goût. Je parle des personnes allergiques. L'allergie est la quatrième maladie mondiale après le cancer et le sida. Mais comment peut-on devenir sensible à des aliments qui sont bons pour notre santé, comme le lait, ou sensible à des graines tout à fait inoffensives? Ceci est à cause d'un dérèglement dans le système immunitaire. J'explique. Concrètement, les personnes allergiques sont sensibles à des substances qui entrent dans la composition de certains aliments ou de certaines graines. Normalement, en entrant, ils sont tout de suite conduits aux ganglions lymphatiques. Ces dernières sont des véritables barrières. C'est le centre du système immunitaire. Rapidement, après l'analyse, les ganglions lymphatiques se perçoivent que cet intrus ne fera pas le mal du mal au corps. Cependant, les personnes allergiques ne sont pas du même cas. Les ganglions lymphatiques commencent à produire des anticorps. Je parle des anticorps IgE. Ces anticorps vont partir se fixer autour des globules blancs. Se fixer autour des globules blancs. Les globules blancs sont des, comment dire, les cellules appartiennent à la composition du sang et du système immunitaire. On l'a déjà vu dans la précédente vidéo sur le système immunitaire. Alors, les globules blancs se trouvent dans le sang, dans les tissus, dans les organes vitaux, dans le cerveau, etc. Bref, pour tout le corps. Quand l'allergène entre à nouveau dans le corps, les globules blancs sur lesquels sont fixés les anticorps qui l'ont intercepté, ils réagissent, ils explosent en libérant de l'histamine. C'est cette substance qui est responsable de l'inflammation des tissus, des démangeaisons au niveau du nez ou des yeux. Le patient peut avoir le nez bouché, le nez qui coule. Le patient peut avoir des gènes respiratoires. Mais les personnes allergiques ne sont pas sensibles et allergiques aux produits eux-mêmes, comme le lait, les grains de bouleau, etc. Non. Ils sont allergiques, sensibles à des extraits d'acides aminés. Les acides aminés sont de longues chaînes de molécules qui entrent dans la composition de certains aliments, etc. Alors,
Les patients qui sont allergiques au poil de chat ne sont pas allergiques au poil de chat, non. Ils sont allergiques à un extrait d'acidamine qui se trouve dans la salive de notre fidèle compagnon qu'il étale pendant sa toilette quotidienne. C'est pour cela qu'on trouve des patients qui sont sensibles et allergiques à deux, à trois, à plusieurs substances. Parfois, une grande quantité d'histamine est libérée dans le sang. Ceci a des conséquences mortelles, comme la contraction des bronches. Cette libération rend les vaisseaux sanguins imperméables, le visage commence à gonfler, le gonflement cause une œdème au niveau de la larynge, c'est-à-dire les tissus font pression dans le larynx, ce qui cause l'étouffement du patient. Alors la conséquence la plus dangereuse est la dilatation des vaisseaux sanguins. Pourquoi? Car il cause la chute de la du tension. Tout ça est appelé le choc anaphylactique, qui peut causer un crise cardiaque. Heureusement, il se trouve qu'il y a un remède, mais il faut agir vite. En injectant une dose d'adrénaline, cette hormone fait l'effet inverse de l'histamine. Alors, peut-on guérir d'une allergie? Alors, oui. En habituant le corps à accepter cette substance. Mais comment? En déposant quelques extraits, quelques gouttelettes sur le dessous de la langue. Pourquoi en cette région précise? Car ici, les ganglions lymphatiques ne sont pas sensibles. Mais la seule grande question qu'on se pose maintenant, pourquoi deviendront tous allergiques? Et encore, pourquoi les personnes allergiques sont sensibles à ces substances qui sont tout à fait inoffensives? D'après quelques spécialistes, c'est parce que notre mode de vie a très bien changé et beaucoup. Et en plus, la médecine a très bien progressé, les médicaments et les vaccins deviennent de plus en plus abondants, notre système immunitaire est devenu plus fort. Résultat, il commence à attaquer n'importe quel intrus. Alors, j'espère que je vous ai pas déclenché une allergie sur la science ou sur les explications. Alors, à demain et à la semaine prochaine, ni pas à demain, à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur notre chaîne YouTube Rien n'est impossible pour la série de sciences et de ça va par semaine et au dimanche prochain.